Na mau de mau ba misiaminata ba ple be do wala o katata ela bena mia be veve se sewo tae wo do ato da nyi ale tepe ya eva me bena eva me bena mva sandi da se le fie kure esroanyeta kem ngado apwe mea ezade pepe mea nkwipe dana kola lome Ebena nukata e nyam leja ho de via le sima ye alome ye ntona ebena nyam gale gbo njo le gbo okay ye ebena nukata e nyam cho mle ho de via le sile gbogbo mema ye mbe minyi nye yo mawe e zade pepe mea soja opo nya na ku tu le zade pepe ye mfona le egbedodoraji no na egbedodoraji e nuke bajo ye nyi soke mva fia Mva kpo bena aze review over hwame. Gale ku treni ni. Awo, mle kpo nu le ntega. Pa mva kpo bena mle bi ama obe nu ka ba ze review gava asara mema. Ye funu me mle segbe abena amayo gbogbo oplo odo be ola o ma ho ya yira wa. Wa zireka kpo mle kpo be jipo be zo adidi le fi aze review le amobe taji. Aze review je review be taji pa mle kpo be zo le fi aze review ye zereka wa pa examen e so be examen va mla yin po a e dre ku ko ja gboro na mi lo a lo de fi a o le ja gboro a wo dre Alléluia. Alléluia. Amen. Ye ke mla yin pa npo be mawo pa mi a e da re va pa mawo ba mi a be la amo sugbon le funu. Ye o le da pa pa mawo ba mi a be da ya ya e la wi po e. Ye le be le wi mu le ku mbe le wi mu le ku. Ka 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 pa mva pa e trozu he vi pa pa wa lo do da le ke pa. E tro ge pa ye papa wi. Ye nyo fa le fi pa npo be na e duti nam. Ye di jombe ma da pe na mawo. Elle est tonnée. Et ce soir, il y a des bas. Alors, il y a des finales. Bon, on les cite à. Au point, on va le temps, tu vois, menacer de le comprendre. Il y a des coups à drain. Elle va dire, c'est la fille va y. Elle va dire, il va tout dire là. Il va dire, il va le prendre à nous. Il va dire, c'est que le bureau va home. Il est défiamé. Il est comme nous, il va dire, il va prendre le bon, il va prendre le bon. Il va dire, nous, on va voir, il va dire, il va dire, il va le fio. Le lamere gbo kwa zo fiane e me gbea iba ko be dare ba gbadomi
et que Dava yo la fille bon et yo la fille quoi Dava fou amo sugbo quoi o le dapa quoi mo pa ma babe daya ma ga jogbo abi ya wi elle pour dame le pour quoi da to juke vie quoi elle ya zoku mo pa ma wa sile ke quoi ege yo be pou quoi yo be ku ke yi va foa be ke yi tona nu ma menene ya iku so yo na tukara neni la e wo be ibe ali afowa yi se la veve ta atena no sugbo de na funai Ok, il coudre un pono et des caouen cola, qui va foi, nous au catalan, ou il la mer. N'a que me calé ou la mena you. Oh, alléluia. Amen. Et j'y vais à dire, c'est bé, toi, y'a bé, drague ou près de fiamela, maoutome, et y'a donnaïlo. Amen. Amen. La maman remercie donc le Seigneur ce matin. Elle dit qu'elle a fait des enfants avec un premier homme avec qui elle a divorcé. Et depuis qu'elle a quitté cet homme, elle vit des persécutions de la part de ce dernier. Et chaque jour, elle fait des cauchemars dans lesquels elle se voit pourchassée par des soldats, par des militaires et par des fusils. Et cela a toujours été ainsi au point où à chaque fois où elle fait ce rêve, elle se réveille avec des douleurs à la hanche et au niveau de ses pieds. Elle traînait encore les douleurs avant de venir dans le camp ici. Et lorsqu'elle est arrivée dans le camp ici, un jour lors de la prière, ou bien une nuit, elle réveille qu'il y a eu des hiboux, ces oiseaux possédés par les esprits de sorcellerie, qui sont descendus, pleins sont descendus dans le temple. Et elle a vu qu'un feu est descendu pour consumer ces hiboux-là. Mais lorsqu'elle a vu ces hiboux, on lui disait que c'était les esprits de persécution qui empêchent certaines personnes de recevoir l'exaucement de leur prière. Après cela, elle dit qu'elle a vu également un serpent. Que personne n'arrivait à tuer. L'homme de Dieu était arrivé et a dit qu'il va tuer ce serpent. Il voulait tuer le serpent lorsque le serpent s'est transformé en oiseau et a commencé par voler. L'homme de Dieu a tendu la main et a ramené l'oiseau au ciel et elle a constaté que, a ramené l'oiseau au sol et elle a constaté que l'homme de Dieu a frappé l'oiseau à mort. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle a constaté que les douleurs qu'elle avait au niveau de sa hanche et au niveau de ses pieds, les douleurs ont totalement disparu. Le Seigneur l'a complètement libérée et elle tient donc à partager son témoignage avec le peuple de Dieu. Acclame une fois le Seigneur pour la vie de la maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maoua, nous gagnons les calonies, il y a mon inanou, nous nous sommes assis. Et d'abri, il va toi dire, va ébouler, dit, mais dit, car on sa, va maou, et n'a dans les camps de mes vaouati, ja, on sa, non, rien n'est chan. Et là, on dit à sou, tiens, dit à sou, on fon fon, quand elle est au matin, à ma drette, il est d'ahé, il est dodo, mais et sou, n'est pas mon anago, va maou, amen, vive l'engine lagbe. Tiens, be fon tieto, ah, à souni, à fon vico. Cha fo vi ko yin niyan mo re cha madre to logbe ja do ya gbe jogo a fo ve ka sun yin mi va vale to ku papa won agbado lo do mi o khu mi va ya agbado nu o mo mi o de yi ele to ku yi mi va do ele to ku lo to gbe dodora mi o ma wu edu ji ni e ka do meni vo yin to po edu re cha madre lo ja pe a madre lo e gbe jo I do me gbe bla le le to ku yin to gbe dodora o mo ma wu e che da gbe jo lo Ma ou est la bejolo? Nenu aime vado mure mure. Yet, Abbey, et on va gâteau, ma ou de chino. Ya in dog berada. Ma ou venya nu. Mjile vidro colon chifafa. Voye me jidula essence gankela. Ma ou dentileme. Chi dorme ton doudou le pame zereka. Milk pame koji. Chi meti jino vire pame de lui et moi chenya mure so molo. Miso molo mi veille de notre roue. O hom le gaji keken ke gande po jizro ah o ba mo nyore nwachi imo nwachi nye dale pa ke to me agbe nwachi o ngba ba pa me va do ko gbe lagbe no gbe ma wa me nvevere no papa va pa me inu o ma unyo keke mama re ka to me adida se me so do nfa o mo mama re ka wa do le no to hu papa nko ma unyo lo mo ma u me lo wa do nyo no ni nya te peto ye do ko nko ma unyo le ko ko nu ku lo ya keke o
Amen. Alléluia. Amen. Dadabe, il y a dit la chère d'Akwena Maou, le outil à la baie. Et va faire bébé, il va toi dire, il se repète dans le lait, il va toi dire. Mais il va y a qu'il faut foi, le tien mandré, il faut que qu'il va faire vegoa, elle est dans le tien, à toi, il a le tien à dewa, il se repète dans le lait, il va et toi dire. Que le toi dire va faire, mais il se repète dans ma carrière. Quoi? Yo me kwa joko ya adome toy dudu abele yo wo icha ye fwa gble na ye ga ba to wo ke ye icho go dodora be mau de duchinai kaka kaka no ba o kaka edidi kwa eba do ke kere kwa eba le wo isi be fuele dui iba I konji le fi e ye ame la ji vi le fi ame le ta I odo I de konji le tu ame iba I fi ba I no fi wa kaka kaka eduke na re ke mejo e be akwa I ngoche be awi ga tro ba pa mi Il va le domina be mau de kweba siji e na tepia mau ba mu bewe be le do male duya e va noté kaka il va trojo ke il va trojo ya pea ye ke vive gamen to va do son be ya ji le I ma me ye mba nya be vi be ma gbecha ya ji vio il le ya ya va da fue fu da pe ya e bo ye o be gamen suna I kwa I cho vi cho va ji ke ji de via de via me fan vio kaka e wo gapopo ye dokita o jagba gba kaka e glo ye I ba de bracelet la lo cho dare de viaji dogbera be mau ne ko ba siji ko I cho bracelet dare de viaji ko e ko de via dapa yo to fi fafa ko cho maji kaka gba de via le nyere I ha ile nyere ko I va be ani dase atakpe na mau be amesha be ke cho agbare bala e buye de cho ba ba bu gale mau la gawo do ike pogu e de cho ba ta bi de cho bala Amen. Amen. La maman remercie donc le Seigneur ce matin. Elle dit qu'avant de venir dans le camp ici, elle portait une grossesse qui malheureusement avait coulé lors du sixième et septième mois. Et après que la grossesse ait coulé, elle dit qu'elle priait encore et demandait une nouvelle grossesse. Le Seigneur l'a fait grâce. Elle était encore tombée enceinte. Et pendant qu'elle était enceinte, son mari avait connu un mal de pied. Et c'est là qu'ils sont venus dans le camp ici. Et par la prière, son mari a reçu sa guérison et ils sont repartis à la maison. Mais pendant qu'elle était encore dans le camp ici, au moment où la grossesse atteignait les 6 ou 7 mois encore, elle a commencé par ressentir les symptômes de d'écoulement de cette grossesse. Et elle dit qu'elle développait des malaises au point où elle est allée au dispensaire ici. On la referait au dispensaire du village. Et lorsqu'elle est allée là,
Tout a été fait, ça n'a pas marché. Elle a été referée à l'hôpital de Noches. Et là, elle a dit non, elle doit encore revenir dans le camp ici. Et elle est revenue dans le camp ici. Et par la prière, cette grossesse n'a plus coulé. Elle s'est stabilisée. Et après la prière, lorsque la grossie à la maison, un jour, elle était simplement allée à l'hôpital pour la consultation prénatale. Lorsqu'à sa grande surprise, le Seigneur l'a fait grâce et elle a accouché elle-même de façon naturelle cet enfant. Et elle tient donc à remercier le Seigneur pour cela. Maintenant, après l'accouchement, elle dit que l'enfant ne pleurait pas. Les médecins ont tout fait pour que l'enfant pleure, mais ça ne passait toujours pas. Et durant une heure, l'enfant est resté sans à constater que l'enfant qui ne pleurait pas a commencé par pleurer. Et depuis ce temps jusqu'à présent, elle-même, elle est bien portante et son enfant aussi est bien portant. Et aujourd'hui, elle est là pour partager son témoignage et remercier le Seigneur, celui qui l'a préservé la vie, celui qui a permis à ce qu'elle-même, elle soit vivante et que le bébé aussi soit vivant. Acclame très fort Jésus pour la vie de la maman. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et du grand le jom. Elle a bien et son jeudi qui va ya et aux 4 semaines qui vient ici et go 17h30. Y est bon va doit me la semaine. Y va tout. Y est chinzizi m'le ponpo. M'be gloria nous quelle wow. Non be gloria la be maman nous quelle wow. Elle a bon nous m'le ponpo. Kaka mine kaka elle po 19h quelque chose et toi il doit même le bon. Comme que toi be garage à mou. Didi Kudomia, Yem Kule, Yem Soy, Tuagombu, Yem Yan Kelo, et Yaolo, don't etchani, et toi avec glory, avec papa, Nukelewo, et toi, you have bien yébo, Mouleton Yantio, quoi, non, non, valet, j'en ai, qu'en quoi, n'en a, vendredi, un car, et y'en a, m'y avait fond bassi. Donc, ah, yé, vendredi, un play, as même, ma school, Kelo, en a, voilà, et y'a media, et j'en a d'or. Kaka Bella Roso, Vida, et Dona Crisier. Mi conduisiton yo avertim benade ke mnyabe nenebe nu jonade dia nengba no tati be krisa ba no fame ke ngbe ma so va conduio donc ke mva po be etinzizi nenia ye mtone to abe de mi aso eso yi kondi ye to abe nade be docteur de le a home ho retraite et le do abuna de viole a home ye kula yi be do abuna de via donc samedi matin mcham le sine ye mso ye do abune e va do zanga do me a Nene déjà le pour la badji. On le pompe au coude. Fique les veaux, me le donne en tio. Ah, mi va pobe, et be à fond. Droite à ta, et le pot. Si belle qui a mec et tension, le pot, le pot. Et puis, vous valez mi soi, conduit dimanche. Yo, la tire au test, on va biou de via. On va bien de l'eau. Eh, ben, bien le ton pona de via. Donc, on la tique. Mi va y plaire. Yo bien analyse be o la ko nu ke na be ata le pona de via ne no ye bi be lundi ye mi ava analyse comme que mi pas somme le pomme le church mi a et le bios e va yoro mi ato e be vo mi a ko ko de via ko ve inele a ho me ma de mene be ne ne de via be la me va glentia ne mte va supo subo lo e nya nya mi so de via joa ye bi o prier manière que de via le cha le bi nya Il va conseiller mi aso eso yi attaque pas me conji non la po radio po be nu kele de funa de jabe attau donc a mi ti ami mte yo comme ko bien mi va y radio même po yo même po yi même joie donc ko bien analyse le mi abe fun le conji a ye mi va analyse on po ne po mi va mardi a ye mi site mi attaque pas me conji ye mi ti attaque pas me conji a o analyse o o be palu Si on va bien, elle va le pour faire SIB, EGB. Donc, il va faire dimanche 23h. Il va faire
Amen. Voici que nous sommes à Pagbeta. Alléluia. Amen. Gloria. 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 Amen. Gloria. Alors, la maman remercie le Seigneur pour la vie de sa fille et à côté d'elle. Elle dit qu'elle était à la maison un jour lorsque l'enfant était revenu de l'école. Revenu de l'école autour de 17h30, l'enfant ne pouvait plus s'exprimer. Mais quand on l'appelle, il répond, mais ne pouvait plus parler. C'est là, dans un premier temps, ils sont allés à l'hôpital avec l'enfant. Et après les analyses, il a été révélé que c'était l'infection. Et les soins ont lieu, mais toujours ça n'allait pas. Il fut un temps où l'enfant a commencé par développer des malaises au niveau de son pied droit. Et le pied ne faisait que vibrer. Ils sont plus tard retournés dans un autre hôpital. On leur a demandé des analyses qu'ils ont eu à faire. Mais rien n'a été révélé si c'était le paludisme. Les soins ont lieu pour la guérison. L'enfant n'était pas guéri. Et c'est là qu'ils ont décidé de venir dans le camp ici avec l'enfant. Et lorsqu'ils étaient venus au premier jour déjà, ils ont donné de cette eau, l'eau de la fontaine de ce camp à l'enfant. Et l'enfant a pris de cette eau et en a bu. Mais avant de venir dans le camp ici, l'enfant ne pouvait plus boire de l'eau, il ne pouvait plus faire les selles. Mais l'enfant, après avoir bu de cette eau, il a commencé aussi par faire les selles. Et toujours, ils ont continué par prier dans le camp ici. Mais jusque-là, l'enfant ne pouvait toujours pas parler. Mais par la prière dans le camp ici, le Seigneur a levé sa main et aujourd'hui, l'enfant arrive à parler correctement. L'enfant peut manger, il peut boire de l'eau, il peut tout faire. Le Seigneur l'a complètement libéré et la maman tient donc à remercier Jésus ce matin, celui qui a totalement délivré sa fille de la main des méchants. Acclame Jésus pour la vie de la maman. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous le même sauvage de père. Nous sommes où now? Nous évavant ben fi que nous haya holé le lomé. Nya ma me fi père haya hola huya mi. Pa ahwe ameke haya hola huya mi so pe ma. Eku so ategbe adrepo ona. Kaka évavant évavé valé bien benade. Nous que on enye kudo soigné ami mu ona jiro ma.
Amen. Poisikpina Yesu den mama pagbeta. Amen. La maman remercie donc le Seigneur pour la vie, pour sa propre vie. Elle dit, elle était bien avec son mari dans un premier temps, mais elle avait loué ensemble sa chambre avec quelqu'un dans une maison. Et ce dernier, avec son mari ou avec sa femme, se querelle toujours. Et il fut un temps où cette dernière était venue lui demander, comment se fait-il qu'elle autre et son mari ne se querellent pas? Et elle a dit, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Mais environ un mois après, elle a constaté que les querelles que ce couple-là avait de temps en temps entre eux, ces querelles-là sont revenues entre elle et son mari. Elle ne comprenait plus rien. Elle priait toujours, mais ça n'allait pas. Un jour, elle a fait la lessive, elle avait séché les choses. Et jusqu'à ce qu'elle ne revienne de l'église, elle a constaté que son soutien avait disparu. Et une nuit, elle priait lorsqu'elle a vu dans une révélation qu'il y avait une dame qui était assise sur leur terrasse. Et lorsqu'elle voulait rentrer dans sa chambre, la dame s'est levée et a frappé sur ses deux seins. Et la même nuit, elle a commencé par avoir des douleurs au niveau de ses deux seins et elle ne pouvait même plus dormir. Elle dit qu'elle traînait encore les douleurs lorsque l'homme de Dieu était venu chez eux lors d'un réveil spirituel. Et le jour-là, l'homme de Dieu a rendu ministère et il a demandé aux malades de placer les mains sur leur maladie. Elle a placé les mains sur son sein ou sur ses seins. Et jusqu'à la fin de la prière, elle a constaté que les douleurs qu'elle avait dans ses seins avant de venir, les douleurs ont totalement disparu. Et depuis ce temps jusqu'à présent, elle est bien portante, elle dort correctement les nuits et elle tient donc à remercier le Seigneur, celui qui l'a complètement délivrée de cette maladie. Acclame très fort Jésus pour la vie de la maman. Amen. 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 Elle dit...
après ton va et va pour nous ben nous mignon yo ko et d'achok bro le yo tome quoi que après ton le jo quoi et ame o cho pour tagba yo jo la fami ko le ja jo a o be jojo ma yo cho yi be suti a chojo ye yi va le le anopedo aka yesu ga yo do macha ifia uti va facha ele après ame nai amen amen. Elle ajoute également que les mésententes et querelles qui existaient entre elle et son mari, le Seigneur a restauré la situation et aujourd'hui, elle s'entend bien avec son mari. Il y a la paix dans son foyer conjugal et elle tient également à remercier le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Yo, mama, ami de coucou, nous sommes là. Prêze la. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma wonu gare nu. Mhm. Be ma da pe nende ke. Mhm. Awo be papa wa don ti si don. Le yara gbe ma. Mhm. Ma fo. Ye egbe ala didi nu be evi oku. E me vinye ka eku o. O be de vya la wa sida ya chiko mama. Imbe o anya ka. E mi le gbe adore am ke va kpolo mi le gbedu da chuchu gba ma icha gbre be amara ma vila kuku gba mi jo gbe adore kaka mi pa fira gba gaga we ato e ke mi pa le gbedu da ma sirika gbe ari nu be ala mori ge ayi gba imbe o yesu anya ka se ke ma na ndi ayi gbo gba tro gbo nu be tro cho ga na ve sama ku mo gbo gbo na ma wa pa no ya te bo yo ba sama sama ma va sama sama ya te fuma le gbe adura memle da gbe nwa kanya wa nwa kanya nya o e de via choma ikono via rikareji ko ro poro mo kwa ile de via dare poro mo I choma ga po ato edo kwa amu bu ya chon kone le ka ko cho to to I janyi le mo aji amu mo to ke ti ro a o choma pata pata zo ji kwa I chi mo po mo o be aku amu obo ma va po ma u ba won gara mo chalo ngbalo so so fu ngbalo so do de sikrerere I de via chiani bala gama I mo sukuru vi di kava pe o be ngba yi gbo be aku ibe o be ayi I ke be ko era ni gba I fu oji mo ne si to a I to ofu kri ko tuturu yo cho ko gbere 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 kakaka to de via to ofu tuturu I to ofu tuturu I tru fu kakaka kaka yo ko cho I koji go go nwa woni a wo to e nya te fa ma wudu jinu nyao nuke futodo be ma gba cho gangu cho de ma yesu hol kwele wasinu amen kemi ba o ta pepa nyemete didase da pe a o egbe ma va be ma ba didase ma da pe amen 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 amen. La maman remercie le Seigneur pour la vie de son fils. Elle dit, entre-temps, l'homme de Dieu avait décrété un jeûne et prière dans le camp. Elle avait appris cela et elle a décidé de venir. Mais avant de venir, elle entendait la voix qui lui disait, « Ton enfant sera victime d'un accident grave. » Et après cet accident, il mourra. Et c'est là qu'elle a décidé de venir dans le camp ici. Elle est venue, elle a prié. Après la prière, elle entendait toujours la voix qui lui disait, « Bientôt tu iras à la morgue. » Elle a toujours prié pour que le Seigneur puisse vaincre définitivement cette mort dans la vie de son enfant. Elle dit après cette prière, au lendemain, l'enfant s'est levé et allait quelque part à moto. Et brusquement, il a été justement victime d'un accident très compliqué. Au point où il est resté au sol et les gens pensaient qu'il était mort sur le champ. Mais finalement, personne n'avait le courage d'approcher son enfant qui était au sol après cet accident-là. Mais il dit qu'il y a eu l'un de ses élèves qui passait, qu'il avait vu et qui est allé le frapper le dos 3 fois de suite. Et son enfant a commencé par vomir du sang. Et c'est là, les gens ont constaté qu'il était encore vivant. Et rapidement, il a été transporté à l'hôpital. Les soins ont lieu à l'hôpital et par la grâce de Dieu, c'était rien que des sutures. Il n'y a pas eu de fracture, il n'y a pas eu de cas grave. Aujourd'hui, son enfant est encore bien portant et elle tient à remercier le Seigneur, celui qui a vaincu la mort dans la vie de son enfant. Acclame Jésus pour la vie de la maman.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, de novembre, on va fier. Et on va descendre, à ce moment-là, on va jouer, on va y on va y aller. Amen. La maman tient, ou la sœur tient donc à remercier le Seigneur ce matin. Elle dit qu'elle travaillait, au départ elle avait travaillé ici au Togo, et plus tard elle est allée au Burkina où elle a travaillé avant de revenir au village. Et entre temps, lorsqu'elle est repartie, elle a encore quitté le village. Elle avait adopté un enfant, ne sachant pas que l'enfant était possédé par l'esprit de la sorcellerie. Et elle dit qu'un jour elle s'est réveillée, elle a vu des sels qui étaient faits quelque part dans sa maison et elle a ramassé ces sels-là qu'elle est allée jeter. Et c'est depuis ce temps-là qu'elle a commencé par avoir des malaises au niveau de sa poitrine, surtout et dans tout son corps. Tout a été fait pour sa guérison, mais ça n'a pas marché. À plusieurs reprises, elle est allée à l'hôpital, mais rien n'a changé lorsque finalement, elle a décidé de venir dans le camp ici. Lorsqu'elle est arrivée ici, par la prière, le Seigneur l'a complètement délivrée de ses maux. Aujourd'hui, elle est complètement libérée au niveau de sa poitrine et dans tout son corps. Les maux de tête qu'elle avait aussi entre-temps, les maux de tête ont totalement disparu. Elle est bien portante aujourd'hui et elle tient donc à partager son témoignage avec le peuple de Dieu. Acclame très fort Jésus pour la vie de la sœur. Amen. 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 Il n'a pas de bouquet.
Amen. Amen. Elle dit aussi, avant de venir dans le camp ici, elle avait l'habitude de perdre ses choses, notamment ses habits qu'elle-même elle avait l'habitude de porter. Et en dehors de ses habits, lorsqu'elle donne de l'argent à quelqu'un, l'argent disparaît de chez la personne. Elle était confuse dans la situation, mais par la prière dans le camp ici, le Seigneur l'a délivrée de tous ses maux. Aujourd'hui, elle ne constate plus la disparition de ses habits, de ses vêtements. Et lorsqu'elle donne aussi de l'argent à quelqu'un, la personne peut garder cet argent et l'utiliser plus tard. Cela ne disparaît plus et elle tient également à remercier Jésus. Amen. Amen. Papa. Alléluia. Amen. Je suis là. Mais abonné à mes Alléluia. Amen. 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 Miatoa maudele ekume elabe ebe idada aloyi nyine eyo amela yo be nyine. Eh voa etiwu papa. Kwa ebe ya trojibele yo be famille be. Ke ya ibe trojibola egboro nana ibe ne ikua nyono agboro ebe ne ikula papa eladi. Ta be rafi wa di abe yo pola na amogo gbo metroji meta odi na mo le trosu bo subo meta ne ya meta metroji mo ye le jadi ya je be cha le troji me kaba me a ela te di le kristo me kwa papa va troji me eye va troji me a ya te pe abe
non, on va couler son. Et il est au couler le tia mea, le tia va y mea. On l'a dit. Voilà, elle est copée à la fin de 4 clans, mais ton rafi, 103 ans, rafi va couler. Puis il est le diable dit. Voilà, il est au bon âme, coula comme on a connu l'oua, on l'a ouni. Et il dada bevia, elle est yovode. Voilà, et il est bon, il be nu ma ko nu ma ki ko mo le yawo be yo ani de Christo mo ke igbo ne de ko o chore ti ji be wa wi ta zamea I va le po bo wa so ati de won holo nai kwa I be le Yesu be ko be kwa idatia ko le edu o be la I va le po be amei ke cho ati so to holo nai ya amea e wasida e ku aha Alléluia. Amen. Amen. Avec elle avait le coup de Barabaraoué, avec son artiste, toi, y est à me abé via et des soldats retraités et gagné. Quand nous y va, j'en ai à me y qu'est bébé, couteau, y'a les gars, à me y va, non, coup, il a d'abé vie que Boba, il va pomber, et va l'oeil, mais vous, y'a au coup d'attepé d'un quoi, à me abé via. Il a dit via Valé, quoi. On va l'envoyer, quoi. Il y a beaucoup d'attepeña. Il y a un peu de haré. Il a dit, il va dire, il dit, le code de la loi, il y a un peu de haré. Il y a un peu de haré. Il va me faire des caca. 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 On le dit, mais 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 on le dit, on le dit, mais on le dit, alléluia. On le dit, mais 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 on amen. Amen. Le vieux remercie donc le Seigneur parce que Dieu l'a délivré de la mort. Et il dit qu'il a une nièce qui avait toujours dit qu'à sa mort, c'est le vieux qui va l'enterrer. Et en ces temps, le vieux n'était pas encore converti. Et elle a toujours conseillé le vieux de se convertir pour qu'au jour de sa mort, qu'elle puisse être enterrée en Christ. Sinon, il sera enterré comme cela se fait dans le monde. Et c'est là, par la grâce de Dieu, lui aussi, il a reçu Christ dans le camp ici. Et il y a quelques jours, ou seulement le mois passé, sa nièce en question est décédée à l'âge de 103 ans. Et comme cela a été dit, c'est lui qui devrait donc organiser l'enterrement de sa nièce en question. Et lors de l'organisation, puisque la nièce serait enterrée en Christ, il dit, lors de l'organisation, il a fait des cauchemars ici avant de quitter pour le village. Il a vu dans un cauchemar où quelqu'un était venu toucher sa gorge avec un bâton. Il a arraché le bâton de la personne qu'il a jeté. Entre-temps, il a encore vu quelqu'un qui était venu bagarrer ou se bagarrer avec lui. Et finalement, il a constaté qu'il a terrassé la personne qui était venue lutter avec lui dans le rêve. Et après cela, ils ont quitté maintenant pour aller à l'enterrement au village. Et celui-là qu'il a vu dans le rêve et qui pointait de bâton sa gorge, lors du voyage, ce dernier, son fils qui allait aussi au village pour l'enterrement, a été victime d'un accident grave et a même succombé lors de cet accident. Et le vieux tient à remercier le Seigneur parce que spirituellement, cette mort-là était prévue pour lui parce qu'il avait refusé à ce que sa nièce soit enterrée comme cela se fait dans le monde. Et l'ennemi avait planifié la mort pour lui. Mais par la prière dans le camp ici, Dieu l'a délivré de cette mort. Aujourd'hui, il est encore vivant.
Et il tient donc à remercier le Seigneur, celui qui a délivré sa vie de la mort. Acclame Jésus pour la vie du vieux. Amen. Elle est probé que y a ici, il peut tout coller, soit il va traîner. Après, mais le fou, il est au top pourquoi, mais ça me tape pas du tout. Mais fiki, mais nous, moi, on s'en va, mais moi, c'est où toi, où toi, tu le pauvre, où c'est où toi, mais fiki, où toi, où c'est le film, il est au nid, y a où le brûle, et toi, mais. Il y a un Amen. Amen. Alors, le vieux dit, avant d'aller à l'enterrement, il était allé avec les autocollants de ce camp de prière. Et lorsqu'il était arrivé, il a collé ses autocollants sur les portes. Et ceux qui voyaient les autocollants disaient que ces autocollants-là sont trop puissants. Et lui-même, il vient d'un endroit ou d'un lieu très puissant spirituellement. Vraiment, le Seigneur l'a armé avant qu'il n'aille au village et le Seigneur a été sa protection jusqu'à son retour du village. Il tient sincèrement à lui dire merci pour cela. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dakpena maude mauma misiamina esura kple vio keke bagbeta ebe dolo keke dakpena maudo bagbeta eva va mebe ewo un mois et demi a enu ava va jinye sibe par lui et toi dinam sibe par lui façon ye mba ikondi ye oba wa analyse effectivement opo par lui nam ye me traiter parce que Urinia, elle est si bé. Jaune, elle est trop foncée, si bé. Orange, néné. Bah, au traité, non, quoi. On peut bé, et au vide. Une semaine après, quoi. Et. On les sentit, nous, elle est là, ménamo. Bah. Les que ma batterie, quand j'y ai un béo, ma platique, ou l'ido, quoi, ma nuque, quoi, bé là, au vide, ma. On les yo, y'en batterie, quand j'y ai. Je suis en train de faire une analyse. Je suis en train de créer un c'est-à-dire rien. Je suis en train de faire une foi. 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 Je ye matin aussi si be 2 litres ni mada di do et le woné ne kaka mba le von et tout récemment ni avait soeur de minor de vivre ensemble et be elle insuffisance rénale wan ke le gloire ye be ku oh ba mjo le senene be oh et vigne o le kele ke noa jole di ne fia vigne o le ke ma o fia be o cha ayiku o to du elle kwa ni to rénale elle don pona e ba le don pona e wa aligné mais yem le anyem vono ça dit combe yem tele dadi do wa fi o kike elle pen hein yem le volo de konye mo fi o la novem a fort be côté côté o chala novem oh yem mbele ke ma o nya yo a docteur toto na be mano nu si po bala o mcham le nuit bo a zéro oh kaka bon e be ma gba trova ngba troyi ye be gba tro e be o be infection urinaire wa mle grave yen be bon nya bon ba tro ji me yen gba lo yon nu be nya le ke ma be infection urinaire la gba don pona mo pa e be ye ye be ma no nu si le nu si a ye nu si a mdona di do msu na kon kon vi re ka o ba journée me keke ba ye mna ni mi so hu so yi ayi to be afide mna ni le ho ame a ye mla lezo gba le ke o ye mba le se mo fifia mba yo hon lo nyede e cha le to aji le fie ye mbulene bo e ya ma po papa e be po be yin to e do nansen famille yo be o ye be a po papa ele he nukunu o de me gbe wa ye to e ba be ma po papa be o e ya do ba e ba le ko so do be iru la po papa nti be ma po papa nti a e ba va ya mba ku droin le droin me be mle ho me fike mu hai hola mle ho me nyango chen le fie ko mle mle ho me mla ni kwa Kwa me keke va le huin a dido. Le drum me wa. Le drum me wa. Kwa me keke va le huin a dido kaka. Kwa. Mou va nyon le. Do konye me zire kakwa ye mkwa be. Kwa me a o.
adidong ba le hwan le hwa me ore le hwan ba le bo no be adidong le hwan le hwa me a adidong le pe mu le hwan le hwa mu ba ba trom la yike ba kudron be endeji la tole nsumenam vom le hwa deliverance la lo me vo egbe mto o ye ngbojo yen gba tele dogbera le ke ma dogbera effectivement ye ye mu yo ami abe ma po papa ye mercredi tout récemment me le gbona mercredi ya ni so nya to ele klo gbedodora nya to papa fome ye le klo gbedodora kem gare mba mba gare moro e atiago me le funu sa ye mba na fi ya o lo ko mtona le ke pom do na pa mi mtona kote kote o pa ma do pa mi enu ale to na bo yi secretariat na be ngoro nko ye mba ngoro nko pa formalité ke bo from we ye mba do asara me mba na nyire nyon de gbo le funu yon a echa polo papa de o so keke vi da le funu nya nchale azikpere kaji le funu wa papa le dogbera nya to fome le dogbera ele gbrobe be eto ya dia ma we do to ya dia ni be ye do to ya dia ni chuchuchuchuwa ne de do ko fi van van be do to ya dia ni nya o ke be gbro nya ne ne kwa o ncha kon be nya ma gba pepe le ji nya le dogbera se sereto nya mu Alléluia. Wa ncha nyem blevio parce que nous c'est nous ndakoué ni to cha mnya. Wa imle dogbera mama ela no fun ela no se yan ke e cha je sim cha mle kwera. Donc a nya oho mle dogbera pa pa sese be ya kon be o gbo be edu to aje nyemnya be edu evo kon bo gbale gbule o gbale dogbeya e pa ne khosere ho lo bo. Alléluia. Amen. If you are yembeo, come be obey do to adia. Ye ni do to adi nya o nya wa. Alia passe aliva le vem, passe mu internet dia, un po cause ko ina insuffisant renal la. Mu le wa kekeme. Hein, donc alia va le vem am le senti. E quoi? Yembe ye do to adia ni ani nya wa. Enu ane bunam, e bebe se se o cha ne bu. Quoi? Ye mu nya be ne no ho na deliverance e wan o lo. Quoi? Enu et nkume dan vire ba lo kwa mba jani wa me mwo wo plus de 5 secondes le sol ko em trocité ba mpodi vire em chuchui ye kwa o mtite zireka alia nyengbale sa libenko. Alléluia. Voici que la Yesu la acclame fortement le Seigneur nyengbale se alia benko. Et nous avons partagé le nuit et me dadi do le nuit me le dadi do. Alléluia. Voici que la Jésus Christ acclame très fort le Seigneur. Fais-le. Alléluia. Amen. Me le dadi do matin a ngba lusi dadi do le kebe couleur a lesibe Coca-Cola couleur la tro et le normal. Alléluia. Pe ngba le omo. On va le sentir douleur, le fait que on va le. Alléluia. Donc, voici quoi la Yesu là. Acclame très fort le Seigneur. Eh bien, à quoi papa? Va où quoi? Va Yesu y donner. Amen. Non, va mais papa y a quoi? Ne y'a bien souvent ifima y'a quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que le naïomi le blanc va ne quoi? C'est y'a bien souvent le fima et la gâteau balo. Va et y'a bien quoi? C'est trop c'est les cala. Amen. De papa kpokpora enyo ya lo enyo be na kpo evore amam telephone no be ye ko ya kpokokokoko ade no vale fika ka pere ka kpo evore fika ole yo dare ko se odo gbe kpo papa o nye kpo o yesu ele fika ma honrodo. Amen. Ma honrodo la. Amen. Ma wula we na o. Amen. Oh, bro, amen. Carré là. Amen. Oh, hallelujah. Amen.
Et tu matin à Ken Baba, oh, y'a toi, m'va y secrétaire à Seka, Baba y'a un coquet. Y'a un bana, y'a un. Et tu m'be matona, medele, à Sara, à Mebea, ma wedo fi et n'y tepe. Amen. M'be ma wedo fi et n'y tepe. Amen. Y'a un ding balassi au cha, son de coco. N'a va d'akwena, ma ouba missia minaku, et sera prévio, à messia mekele ou dole fia. Il nous recommande de remercier le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, son épouse, ses enfants, et pour la vie de tous les ouvriers qui travaillent pour le Seigneur dans le camp ici. Pendant que tu remercies le Seigneur pour leur vie, le Seigneur te donne aussi ta solution. Parce que l'Éternel accompagne et parraine toutes les paroles qui sortent dans ce camp. Ah oui, le remerciement que tu es en train de faire, sache que ton problème est en train de partir en même temps. Et jusqu'à la fin de ce programme, tu rendras aussi un grand témoignage. Alléluia. Amen. Le monsieur remercie donc le Seigneur ce matin. Il dit tout a commencé par un paludisme. Il est allé à l'hôpital. Et après les analyses, cela a été révélé vraiment qu'il souffrait du palud. Le traitement a lieu. Mais une semaine plus tard, il a constaté que les mêmes douleurs ont repris, mais cette fois-ci de façon plus compliquée. Et c'est là qu'il est retourné à l'hôpital pour faire des analyses, pour vérifier le fonctionnement de son foie et de ses reins. Et lorsqu'il est allé reprendre les analyses, il a été révélé qu'il avait un dysfonctionnement au niveau de ses reins. Mais son médecin soignant lui a dit de prendre fréquemment de l'eau, de prendre sans cesse de l'eau. Mais le monsieur dit qu'à chaque fois il prend de grandes quantités d'eau, mais difficilement, il arrive à uriner juste un peu. La chose se compliquait au point où il avait des douleurs également au niveau de sa hanche, au niveau de son bassin, au niveau de son bas-ventre et au niveau de ses pieds, presque au niveau de ses points d'articulation. Et lorsqu'il pisse, l'urine non seulement est jaune, mais devient rougeâtre. Et il dit qu'il a tout fait, ça n'allait toujours pas. Et là, il a décidé de rencontrer l'homme de Dieu. Mais seulement le mercredi passé, il a décidé de venir dans le camp ici. Mais cette fois-ci, lorsqu'il est arrivé, il a serré sa moto sous un arbre là. Et d'abord, il est allé s'enregistrer au secrétariat, ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Maintenant, après l'enregistrement, il est venu s'asseoir dans le temple lorsque le chargé des témoignages était arrivé pour diriger donc la prière. Et au moment où il dirigeait la prière, il disait « Si vraiment c'est Dieu lui-même qui a fondé ce camp, qu'il se révèle. » Et le monsieur dit qu'il était là, concentré dans sa prière. Il priait sérieusement pour que le Seigneur lève sa main et qu'il fasse quelque chose dans sa vie. Et dans cette prière-là, il ne sait pas comment la chose s'est passée, il a eu un peu le vertige et il s'est retrouvé au sol. À peine 5 secondes au sol, il s'est rapidement relevé et il a nettoyé son corps et il a repris sa place. Maintenant, jusqu'à la fin de la prière, il a constaté que les malaises qu'il avait au niveau de sa hanche et dans son corps, les malaises ont totalement disparu. Rapidement, dans son émotion, il a partagé en même temps le témoignage avec un frère qui était à côté de lui. Et ce dernier est venu informer celui qui dirigeait la prière. Et c'est là qu'on l'a appelé, on a encore prié pour lui. Et celui qui dirigeait la prière a prié et disait qu'il chasse l'insuffisance rénale de sa vie. Et effectivement, après cette prière-là, il est retourné à la maison et il a constaté que les douleurs ont totalement disparu. Maintenant, il a acheté une grande quantité d'eau, il a bu suffisamment d'eau et il a constaté qu'il a aussi pissé correctement. Et la façon dont l'urine était rougeâtre au départ, cette couleur a disparu de ses urines. Il urine correctement, il boit correctement de l'eau, les douleurs ont totalement disparu. Le Seigneur l'a complètement libéré et il tient donc à remercier Jésus, celui qui l'a complètement guéri de sa maladie. Acclame très fort Jésus pour la vie du frère. Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Praise the Lord. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Certaines personnes, certaines familles nous recommandent de remercier Dieu en leur faveur. Amen. Trois personnes de l'Occident tiennent à remercier le Seigneur parce qu'ils ont adressé différentes prières à Dieu. Dieu a exaucé leurs prières, a combattu pour eux, leur a délivré de leurs différentes difficultés. Et les trois tiennent donc à envoyer leur action de grâce dans le camp ici, en remerciant donc le Seigneur pour les œuvres qu'il a accomplies dans leur vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Le ciel bénit quelqu'un ce matin. Nous allons donc écouter la parole de Dieu et prier ce matin. Et j'en suis convaincu qu'à travers la parole et la prière, Dieu lèvera sa main et nous donnera la victoire. En tout moment, Dieu nous fait du bien dans le camp ici. Et ce matin, il fera du bien à quelqu'un. Alors ceux qui ne veulent pas recevoir du bien, qui ne répondent pas Amen. Je dis, Dieu fera du bien à quelqu'un ce matin. Avant que Dieu n'accomplisse ces choses, il nous faut écouter sa parole et prier. Et à travers la parole et la prière, Dieu lèvera sa main. Alors en ce moment, Dieu passera par notre chère maman. Je veux bien nommer Madame Évangéliste Noumovi Ama Sidoni. Madame Noumovi Ama Sidoni. Pendant qu'elle se lève, acclame le Seigneur pour sa vie. Oh, amen. Oui, acclame-le très fort, très fort, très fort. Ce matin, tu es béni. Nous allons prier.
Ma unu se o katato. Dieu Tout-Puissant. Wa mesi waji po kle anyigba. Toi le créateur des cieux et la terre. Lendi kanyi yami gagblona o kebe akpe. Ce matin, une fois encore, nous te disons merci. En la beto wo lonlon kle amenu veve meye ne fomile amegbagbe odomi. Parce que par ton amour et ta grâce, tu nous as réveillés parmi les vivants. Evemi anu bemi tso ekbebe fidado. Tu nous as fait grâce de voir ce jour de vendredi. Papa imi vado lendi kanyi ya. Père étant là ce matin, tu as un message, ô Dieu, na evio à tes enfants. Papa, matin diva avec et Père, tu ne peux venir communiquer toi-même ce message. Et cela te convient d'utiliser les moindres de ces coups pour parler à ton peuple. Père, ce matin, nous nous remettons à toi. Remplis-nous de ton esprit ce matin. Et parle à travers nous ce matin. Et révèle de bonnes choses par nous. Et après le message et la prière, que tes promesses et tes projets, ô Dieu, s'accomplissent dans la vie de quelqu'un. Merci à toi. Amen. 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 Disons amen. Ce matin, nous remercions encore le Dieu céleste. Et par cette opportunité, je remercie le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'évangéliste Movi Dodji Paul. Et si vous me voyez devant vous ce matin, c'est parce qu'il a donné l'ordre. Et ce matin, il a désiré vivement être là pour rendre ministère, mais suite aux occupations liées au ministère, il est absent. Mais il me charge de vous transmettre les salutations chaleureuses de cette matinée. Amen. Et le soir, s'il plaît au Seigneur et que Jésus tarde à venir, il sera là pour rendre ministère. Amen. De coucou na maobe fisi a fisi olea. Après ton lane jire donne si amine ne bla ligine. Alors, ne va dromia dome wetroya. Et nous coucou nagbo agbe. Amen. Amen. Alors ma prière cette matinée est que où qu'il soit, que le Seigneur l'apprête encore de nouveau, qu'il l'éloigne et qu'il lui saigne les reins. Et que lorsqu'il sera là, le soit parmi nous, que les morts soient vivifiés et ressuscités. Je dis merci au Seigneur pour la vie de la plateforme. Que l'Éternel les soigne et qu'il leur saigne les reins. À nos mamans distinguées, à nos papas distingués qui sont présents, aux serviteurs de l'Éternel, aux servantes de l'Éternel, vous qui êtes présents, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Les grands frères, les grandes sœurs, mes mamans, mes papas, qui vous qui êtes là, je dis merci au Seigneur pour vos vies. Et toi qui me reçois aussi ce matin, merci à Dieu pour ta vie. Nous allons prendre nos saintes écritures. Et nous allons lire dans Genèse. Et ta ton à ma ton. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 1, le verset 3, du verset 3 au verset 5. Mon sepe agbalegbanto et agbankupi et ton vase amaton. Genèse chapitre 5 du verset chapitre 1, autant pour nous, du verset 3 au verset 5.
Genèse chapitre 1 du verset 3 au verset 5 dit: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le verset 5: Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Mais de coucou, t'as fait la chimia, ne soupe plus que moi. Ok, ok. C'est à partir du verset 1. Ok. Nous allons ajouter: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3, on ajoute: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Moi, c'est pas que je vais te dire. Tu as dit que tu vas te dire. Ame aton. A fi ma miar lelebe. Le gomme je di ame. Ma ou wo di po okle anigma. Ke anigma le nyama. Nono me me line o. E le plou plou. E ye viviti do de ti gmana la nkume. E ye ma ou. Pe gbogbole agba sam leti aji. Eye ma u globe. Keke li ne do. Eye keke li do. Amen. Amen. Vase kukui ame ton aye. Ok. La flache. Eye me do jesi wa ye. Ok. Chibe ya di funam di. Ok. Ulanambe amen. Di amen. Di amen. Lendi kanyia. Alors, ce matin, mon message est intitulé. Amen. Tu es le prophète de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Je suis le prophète de ma vie. Blanambe amen. Dis amen. Bible abe le gomme je di ame. La Bible dit au commencement. Mbaou ebutame. Dieu a réfléchi. Enani edengble. Et il a réfléchi. Ye obe yawonu. Et il a voulu créer. Nous kaye maou dibe yawo. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Et dibe yawo di pokle anigma. Il veut créer les cieux et la terre. Eye. Ay maou. Ewo di pokle anigma ya. Dieu, après avoir créé les cieux et la terre. Bible abe. Anigma va le nyama. La Bible dit que la terre était informe. Non non mais de que mais les cieux. Elle était informe et vide. Anigma. Et il n'y a aucune gloire sur la terre. Elle est plus plus. Et elle était de surcroît vide. Et rien ne s'y trouvait. Et ce que Dieu a constaté sur la terre, il a vu les ténèbres. Les ténèbres planaient. Et après cela, l'Esprit de Dieu aussi planait. Mais dans la pensée de Dieu, l'idée qu'il avait avant de créer les cieux et la terre, après la création, Dieu n'a pas vu sa pensée dans la création. Et Dieu a dit que quel inédo que la lumière paraisse. Et
Et aussitôt, Bible avec quelqu'un lido. La Bible dit que la lumière est apparue. Yes, quelqu'un y a dola. Et lorsque la lumière fut, quelqu'un y a ejani. La lumière était resplendissante. Et quelqu'un y a nia popo. La lumière était jolie à voir. Le viviti anti. À côté des ténèbres. Et aussitôt, Maou blobe. Dieu a dit. Quelqu'un y a là. Cette lumière, elle sera le jour. Et les ténèbres seront appelées nues. Et la Bible dit, ainsi il y a le jour et la nuit. Et c'est donc le premier jour. Cette matinée. Toi qui me reçois, tu m'écoutes. Lorsque nous allons entrer dans la parole de Dieu et sortir, tu vas constater que tu es le prophète de ta vie. Et la Bible dit, Dieu, ayant créé ce qu'il veut, qui était informe. Et les ténèbres régnaient. Dieu ayant dit que la lumière soit. Dieu n'a pas parlé seulement. Alors sa déclaration n'était pas légère, mais avec autorité. Il a parlé avec une puissance. Alors ce qui veut dire que ce qu'il attend de cette création, il ne l'a pas vu ainsi. C'est pour cela qu'il doit encore parler. Il doit déclarer dans l'autorité et la puissance qui peut changer la situation. Et c'est ce qui est arrivé dans ce passage. Et la Bible déclare que Dieu a parlé. Lorsque le mot, la parole est sortie, la lumière a jailli. La lumière est arrivée. Et les ténèbres se sont regroupées de côté. Et cette matinée, bien aimé, quand je parle des ténèbres, alors, ceux qui ont une fois fait l'idolâtrie, alors peuvent comprendre ce qu'on appelle les ténèbres. Ceux qui ont une fois servi le diable, ceux qui ont une fois servi les pierres et ces bois qui ne parlent pas. Eux savent ce qu'on appelle les ténèbres. Et ils connaissent ce qu'on appelle pouvoir des ténèbres. Et ce que le pouvoir des ténèbres a détruit dans leur vie. Et je sais qu'ils peuvent bien comprendre ce dont nous parlons. Mais la Bible dit, lorsque Dieu a parler, les ténèbres se sont regroupées d'un côté. Et la lumière est apparue. Et cette matinée, Jésus-Christ, il est la lumière de ce monde. Et étant dans les ténèbres, étant dans les ténèbres, et les ténèbres ont détruit nos vies. Jésus-Christ qui est la lumière de ce monde. Lorsque ce Jésus est venu et que toi et moi, nous avons cru en lui, et nous lui avons donné notre vie, nous sommes entrés dans le royaume de Jésus-Christ. Qui est donc le royaume de la lumière? Qui est le royaume de la vie? Alors il faut pour toi et moi que le règne de Jésus-Christ, tout ce qui est institution dans le royaume, bien aimé, tu crois en cela? Que je crois en cela? Qu'un enfant de Dieu y croit? Amen. Dis-moi amen. Et lorsque nous sommes entrés dans le royaume de Jésus-Christ, et nous croyons en les institutions de ce royaume,
Le Christ to allo ma ouvi pa agbemea. Dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un chrétien. Non le nous pas pour nous vivre tiens. Lorsqu'on parle des ténèbres. Et y a un yé et nous mettons tobe yé yo. C'est le temps des épreuves. Ha ha be e yé yo. Le temps des afflictions. Dans le lebe e yé yo. Le temps des maladies. Veve se sebe e yé yo. Le temps des amertumes. Abe ma ouvi. Christoto, amai ho Jesus Christo ben kodise. Ye wo je yo mela. En tant qu'enfant de Dieu, chrétien, qui croit en le nom de Christ et qui le suit, Seigneur de be, comprends très bien. Ni ame ma usubo subo. Notre adoration. Mata de haha oda. Ne peut enlever les problèmes. Mata de fukpekpe oda. Ne peut enlever les affliction. Mata de dolele oda. Ne peut enlever les maladies. Mata ma de ayadududa. Ne peut enlever la misère. Ne ha Christo. Si tu crois en Christ. Ye et Dieu me. Et tu le suis. Et Dieu ya ma subo subo la. Et tu commence par l'adorer. Il faut savoir que dès le début, les problèmes viendront dans ta vie. Les angoisses viendront dans ta vie. Les persécutions te viendront. Les épreuves de même viendront. Mais, moi, c'est pas que je ne suis pas. Et ta vie n'est plus que je vais te faire. Et Dieu a dit dans Nombre le chapitre 14. Le verset 28. Moi c'est Enelia. Nombre chapitre 14. Et ta oui Ené. Le chapitre 14. Puis blave voigni ne yo vogbe. Le verset 28 il déclare. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi. Et que vous avez parlé à mes oreilles. Amen. Ou bien. Amen. Moi, c'est Nelia Tawi et Nepu Kubla Vivonyaza. Fima mia lenou lebe. Blona wobe. Yeho wabe nou mekbe nye si. Metanye ak bebe. Ma wami. Abe alesi. Mie gblende nye tome ene. Amen. Amen. Yehowa yele tona mo senene ma. Et c'est l'Éternel qui disait ceci à Moïse. Ben ye ta ye do kibe agbe. Aussi vrai qu'il est vivant. Israël, yo mo sene tona Israël yo ben. Que Moïse dise aux enfants d'Israël. Allez si wa gblende tome na ye la. À tel qu'ils le lui diront dans ses oreilles. Allez si wa bia ye pe la. Tel qu'ils le lui demanderont. Ne ne ma ye ya wa na wo. Ainsi il leur fera. Ainsi il leur fera. Et donc ce matin, ce ne sont plus les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont passés. C'est toi qui écoutes ma voix ce matin. Toi, mon papa qui m'écoute ce matin. Nous remplaçons les enfants d'Israël. La parole de l'Éternel nous revient. L'Éternel m'envoie te dire ce matin. Aussi vrai qu'il est vivant. Alors il te jure par son nom ce matin, que ce que tu lui demanderas. Exactement, il te le fera. Ainsi te le fera. Ainsi il vous le fera. Amen. Dis-moi amen. Alors si tel est le cas, alors tu vas prophétiser sur ta propre vie. Je vais prophétiser sur ma vie. Regarde. Et que dirons-nous comme prophétie? Pas les paroles de lamentation. Alors Jérémie a eu à se lamenter. Et cela a été écrit comme un livre. Et on le prend comme exemple aujourd'hui. Alors par le passé, il s'est lamenté. Mais aujourd'hui, mais plus de lamentation pour nous. Nous allons déclarer des paroles de bénédiction. Déclarer des paroles de bonheur. Déclarer des paroles de prospérité. Déclarer des paroles d'élévation. Déclarer des paroles de la vie. Sur nos vies.
et là, tu les déclareras sur toi. Je les déclarerai sur moi. Et cela va impacter nos vies. Bien-aimé, dis-moi amen. Tu es le prophète de ta vie. Ayant accepté Christ, et tu le sus, et que les épreuves viennent, la misère est là. Manger est problème. Le vêtement à porter est un problème. Et la scolarité ou les études de tes enfants sont devenues problème. Et l'apprentissage de tes enfants devient problème. Lorsque tu vas au marché avec tes articles, tu reviens intégral avec ces articles. Cette maladie dont tu souffres, tu as tout fait avec cette idée que la maladie finisse. Mais la maladie ne finit pas. Ce matin, toi et moi, nous allons prophétiser les paroles de bénédiction, les paroles de bonheur, les paroles de guérison, les paroles de délivrance, paroles de procréation, les paroles de mariage. Et ce sont ces paroles qu'on va déclarer sur nos vies ce matin. Ennemi, ainsi soit-il dans ta vie. Ainsi soit-il dans ta vie. Et c'est ce que le grand-père David a constaté. Et lorsqu'il traversait les moments difficiles, il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a dit dans un autre verset, je ne mourrai pas, plutôt je vivrai. Et raconter les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, alors comprends, tu es le prophète de ta propre vie. Ce matin, nous allons prier. Lorsque tu es dans les épreuves, qu'est-ce que tu déclares? Alors, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce les paroles de découragement? Est-ce les paroles de découragement? Est-ce ces paroles que tu déclares? Est-ce ce qui sort de ta bouche? Si ce sont ces paroles. Alors ce matin, pendant que tu écoutes ce message, alors, tu vas changer ta déclaration. Tu vas changer ta déclaration. Alors, tout ce que tu diras désormais deviendra des paroles de déclaration prophétique. Des paroles prophétiques qui apporteront sur ta vie bénédiction, bonheur. Bénédiction. Amen. Dis-moi amen. Certains, lorsque les épreuves viennent dans leur vie, ces personnes sont tellement dans la lamentation. Et quand on te dit qu'ils sont des chrétiens, tu n'en croiras jamais. Alors écoute bien ce matin. L'adoration de Dieu n'enlèvera pas les problèmes. N'enlèvera pas les souffrances. N'enlèvera pas les persécutions. Lorsque nous adorons Dieu, les problèmes viendront. Les maladies de mort seront là. Les paroles de moqueries viendront. Des paroles de honte viendront. Des paroles de diffamation viendront. Mais je te déclare, c'est toi-même qui dois parler. C'est toi-même qui dois parler. Tu diras, toi maladie de mort, je
te commande que tu sortes de mon corps. Parce que la Bible déclare, Jésus dit qu'il s'est chargé de nos maladies afin que nous soyons guéris. Et toi, maladie de mort, d'où est-ce que tu viens? Seigneur de paix, écoute bien. Si ce sont mes péchés qui t'ont attiré dans ma vie, Jésus a porté à la croix mes péchés. Pour cela, ce matin, toi, maladie de mort, je te renvoie de ma vie. Sors de ma vie. Je te plie bagage. Toi, stérilité, comprends bien. L'Éternel a déclaré, lui qui a créé l'utérus, il ne peut pas le fermer par un cadenas. Alors vous démons qui avez le cadenas par lequel vous avez fermé mon utérus, m'empêchant de procréer, ce matin au nom de Jésus, je détruis le cadenas, je détruis le cadenas. Le mystère, le miracle a lieu dans ma vie, a lieu dans ma vie, a lieu dans ma vie. La prophétie aura lieu dans ta vie. La prophétie va s'accomplir dans ta vie. Parce que tu es le prophète de ta propre vie. Ainsi soit-il, ainsi. Et la Bible dit, Dieu m'a créé. Et ce qu'il a créé est informe. Non, mais même les noix sur. Ce qu'il a créé n'a pas de forme. Il n'y a aucune gloire en cette création. Et Dieu a encore réfléchi. Il a observé cela. Ce n'est pas ainsi je veux que la création soit. Non. Lumière. Apparaît maintenant. Apparaît. Et la Bible dit aussitôt, la lumière est apparue. Si ce matin, elle est, tu es dans des ténèbres. Des ténèbres épaisses qui envahissent ta vie. Dieu a un son serviteur. Et il a placé ici responsable. Et les paroles prophétiques qu'il déclare sur vos vies s'accomplissent dans vos vies. Nous sommes aussi sous son onction. Cette matinée, je me tiens dans l'onction. Et je prophétise sur toi. Si tu es couvert des ténèbres ce matin, que les ténèbres soient enlevées. Que les ténèbres soient enlevées. Et que la lumière vienne dans ta vie. Que la vie intègre ta vie. Que la bénédiction intègre ta vie. Que l'avancement vienne dans ta vie. Que la prospérité vienne dans ta vie. Amen. Déclare amen. Viviti, elle est ténèbres. Lorsqu'elle entre dans ta vie, lorsqu'elle sont dans ta vie, elle détruit la vie ou elle détruisent la vie de l'homme. Les ténèbres détruisent la vie de l'homme. Et c'est en ces choses que nos grands-pères, nos grands-mères nous ont amenés. En les choses-là, nous avons vécu. Et ces ténèbres nous ont complètement détruits. Mais Dieu merci ce matin. Jésus-Christ, qui est la lumière de ce monde. Amen. Il est apparu dans ma vie, il est apparu dans ta vie. Et nous avons cru en cette lumière. Et nous suivons cette lumière.
et la lumière déclare tout ce que tu lui diras dans les oreilles. Ainsi il te le fera. Ainsi il me le fera. Alors ce matin, tout ce que tu diras dans tes prières comme parole de bénédiction, comme parole de victoire, comme parole de guérison, amen. Que ces prophéties s'accomplissent dans ta vie. Qu'elles s'accomplissent dans ton foyer. Qu'elles s'accomplissent dans la vie de tes enfants. Qu'elles s'accomplissent dans ton travail. Amen. Dis-moi amen. Dieu ayant parlé. La Bible dit lorsque la lumière est apparue. Elle a apporté une distinction, séparation entre elle et les ténèbres. La lumière est appelée jour. Et les ténèbres sont appelées nuit. Alors ce matin, si ta vie est dominée par des ténèbres, mais dont Jésus-Christ au Seigneur que quel idole d'abeille ma au parcours vivitie à dominer. Amen. J'envoie Jésus-Christ qui est la lumière de te séparer de ces ténèbres. Et dorénavant, tu marcheras dans cette lumière. Tes activités avanceront dans cette lumière. Au nom de Jésus. Ce matin, nous allons prier. Lorsqu'on va se lever, toi-même, ayant déjà écouté le message, alors tu sais ce que tu dois déclarer sur ta vie. Comme les paroles prophétiques. Mais tu ne vas pas seulement les déclarer. Tu les déclareras avec assurance. Tu vas les déclarer avec foi. C'est pour cela que j'ai dit au début. Dieu n'a pas seulement dit que la lumière soit. La déclaration était autoritaire. La déclaration était suivie de puissance. Lorsque la parole est sortie de la bouche de Dieu, la lumière est sortie en même temps. La parole a permis que la lumière soit. Et lorsque tu vas déclarer ces paroles sur ta vie, d'abord, il faut savoir les paroles à déclarer. Et il ne faut pas seulement les déclarer. Déclare-les avec assurance. Déclare-les avec foi. Déclare-les avec foi que lorsqu'elles sortiront, qu'elles s'accomplissent dans ta vie. Et que tu cherches la maladie en vain. Et jusqu'à ce que tu ne retournes à la maison. Et lorsqu'il y aura l'intimité entre toi et ton père, il y aura du miracle qui viendra. Après la prière, Dieu te fera rencontrer un partenaire modèle exemplaire. Et vous allez entrer dans les fiançailles. On va demander ta mère. Et dans peu de temps, le mariage non célébré dans votre famille, amen, Jésus permettra à ce que tu célèbres ce mariage. Et cela deviendra témoignage dans votre famille. Et cela sera témoignage dans votre localité. Il sera témoignage dans votre quartier. Et ces paroles s'accomplissent dans vos vies. Dans le nom de Jésus. Humblement, veuillons nous lever. Wafame nawo nyagblodi nyawo wafame anyasio nagblo nenya beno. Ah, ma mère.
Alors commence par prier. Donc Berandi Kanyia. Prie ce matin. Donc Berafi Fila. Prie maintenant. Indi Kanyia. Ce matin. Nyaglori Bendike. C'est une matinée prophétique. Nyaglori Nyaglo. Les prophéties que tu vas déclarer. Sur ta vie. Et fio bakbemuti. Sur la vie de ton enfant. Les soins de peu ou sur ton foyer conjugal. Et sur ton emploi de rémunération. Le rassonné. Gameasu. Le rassonné. Gameasu. Le rassonné. Bedododa. Prière. Bedododa. La prière. Bedododa. La prière. Kambara baba. Oh de cabra ya la. Surianda la babe. Oh kadaba shala ba. Makobara baba. Oh kadaba ya la. Shazara baba baba baba. Sunia bayanda la. Hey Yehovah. Oh éternel. Et donc bendikania. Tu as promis ce matin. Ben nous si tu quoi la gloire domina. Ce que le peuple te dira à l'oreille. Hey Yehovah. C'est ce que tu feras. Hey Yehovah. C'est ce que tu feras. Hey Yehovah. C'est ce que tu feras. Yo donc tu quoi. Ton peuple. Yo donc tu quoi. Exo c'est ton peuple. Ou avec mes dodona. Leur prière. Ou avec bia bia. Leur requête. Yehovah donc. Éternel exauce-les. Tu peux donc. Ciel exauce-les. Tu peux donc. Ciel exauce-les. Yehovah donc béda. Prie maintenant. Yehovah donc béda. Il faut prier. Yehovah yapé. L'Éternel a dit. Nous si d'accord de domena. Ce que tu lui diras alors. Hey Yehovah now. C'est ce qu'il te fera. Hey Yehovah now. C'est ce qu'il te fera. Hey Yehovah now. C'est ce qu'il te fera. Hey Yagalasio. Qu'est-ce que tu as? Agbakale tio. Quel fardeau portes-tu? Ahakamenele. Quel problème as-tu? Kufekbe kayo. Quelle est la souffrance? Nukbe kayo. Quelle est la honte? Blododo kayo. Quelle est la diffamation? Blené. Dis l'élu. 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 Sharaba baba baba. Oraba yanaba. Kambara baba baba. Makobora baba baba. Oraba yanaba. Sori andala mama. Sharaba yanaba. Raika baba baba. Sharaba yanaba. Kandolo baba baba. Oraba yanaba. Bedododa. La prière. Enonye dogbeda. La prière. Enonye dogbeda. Maman faut prier. Etonye dogbeda. Papa faut prier. Lendokusuya. Ce midi. Bonyarida gbewonti. Prophétise sur ta vie. Bonyarida vieoba. Prophétise sur la vie de ton enfant. Bonyarida soit de peu anti. Prophétise sur ton foyer. Blin blin blin. Alors prophétise. Blin. Prophétise. Blin. Prophétise. Blin. Déclare. 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 Ya ira nyao. Parole de bénédiction. Yo yo benyao. Parole de guérison. Parole de salut. Katutu benyao. Parole de délivrance. Blin. Déclare-les. Blin. Déclare-les. Blin. Déclare-les. Blin. Déclare-les. Blin. Déclare-les. Blin. Déclare-les. Blin. Bédododa. La prière. Etonyomi va. Priez mes mamans. Etonyomi va. Mes papas déclarer. Etonyomi va. Déclarer mes papas. Dogbeda. Prie maintenant. Dogbeda. Prie. Kambara babe. Oh baba daya. Makobara babo. Surianda la baya. Oh kambara baba. Baba 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 baba. Mandoro baba baba baba, Zori andala mama mama, Boko baba baba baba, Jesus, Honda plata da, Kambara baba, Zori andala baba, Boko baba, Mako baba baba, Shazara baba, Shabra da baba, Raika baba baba, Boko da baba, Mako baba, Honda da baba, Jesus, Hosha da baba, Jesus, Boko baba. Oh my God. Shibranda barabaya. Oh kabraya da. Au nom de Jésus, nous allons encore chanter le cantique. Je sais que mon sauveur est vivant. Et il est pris. Chaque fois à ma faveur. Je sais,
Seigneur Jésus, et tout ce que tu as écrit sur ma vie, qui sont des paroles de bénédiction, les écrits de bonheur, et l'ennemi ne veut pas les voir s'accomplir dans ma vie éternelle. Ce matin, combat pour moi. Combat pour moi. Les puissants qui te persécutent, les démons qui te persécutent, étant venu dans ce monde, tu ne seras pas libre, tu n'auras pas la bénédiction, tu seras dans la maladie, tu seras dans les pleurs, tu seras dans la honte. Dis-lui qu'il a menti, dis-lui qu'il a menti. Il y a combat ce matin. Détruis ses démons. Détruis ses démons. Détruis ses puissants. Détruis-les. Détruis-les. Sori andala babe. Lorsque tu grandis, qu'est-ce dans nous la sion? Tu as la richesse. Y'a une relation. Tu as la richesse. Bak yawa. Mais ces démons. Ok, tu es maintenant. Ok, tu es maintenant. Sont ancrés en tes bénédictions. Oh, kaka, yaira, ils les ont dilapidés. Oh, ben, yaira, ils les ont détruits. Aujourd'hui, tu es dans la misère. Aujourd'hui, tu es dans la misère. Ils ont menti. Nikaya. Ce matin. Bah, oh. Détruis-les. Bah, oh. Détruis-les. Bah, oh. Détruis-les. Kakao.
Nous avons prié au nom de Jésus. Ha!
Jira. Nous agbetons, étonnés. Seigneur Jésus, tu ne m'as pas envoyé sur cette terre d'être malade. Tu ne m'as pas envoyé sur cette terre pour être infécond. Tu ne m'as pas envoyé sur cette terre pour être célibataire. Alors ce matin, tout démon voulant que je sois malade, voulant que je sois stérile, voulant que je sois célibataire, éternel, ce matin, affrontez-moi ce démon, affrontez-moi ce démon, affrontez-le-moi, 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 prie ce matin, énerve-toi. Lorsque tu es malade, ce n'est pas le projet de Dieu. Et la maladie t'a rendu esclave. La maladie a détruit ton argent. Tu as vendu ta richesse. Et tu n'as plus de biens. Dieu ne t'a pas créé ainsi. Alors prie ce matin. Détruis cet esprit de maladie. Détruis cet esprit de maladie. Repétis maintenant. De plier bagage et de partir de ta vie. Quelle porte de ta vie. Quelle porte de ta vie. L'esprit de maladie. L'esprit de stérilité. L'esprit de célibat. L'esprit de pauvreté. L'esprit de l'indigence. L'esprit de la récession. Détruis-les maintenant. Détruis-les ce matin. Prophétise sur eux. Qu'il le porte de ta vie. Qu'il le porte de ta vie. Qu'il le porte de ta vie. Qu'il le porte de la vie de ton partenaire. Qu'il porte de la vie de ton partenaire. Ton mari, ta femme. Qu'il le porte de la vie. Qu'il parle de sa vie. Qu'il porte de sa vie. Les enfants que Dieu t'a donné. Prophétise sur eux. Qu'il parte de la vie de ses enfants. Ce que Dieu veut que tu deviennes. C'est ce qui doit s'accomplir. C'est ce qui s'accomplit. C'est ce qui va s'accomplir. Alors prie ce matin. Déclare-lui le sujet de ton cœur. Dis-lui le sujet de ton cœur. Dis-lui tes sujets intimes. Ceux qui sont tes droits et mérités. L'ennemi s'est levé et te les a arrachés de force. Ce matin, tu as un Dieu. C'est lui qui te dit de prophétiser.
prophétises, ce que tu prophétises à ses oreilles, c'est ce qui te fera. C'est ce qui te fera. C'est ce qui te fera. Sors de la misère. Sors de la pauvreté. Sors de la blessure. Sors de la mort. Sors de la honte. Sors de la honte. Sors. Sors vite. 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 La honte. En laquelle tu es. La honte. En laquelle. Ils t'ont déposé. Ce matin. La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qu'il te cherche. 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 Matinée de prophétie. Matinée prophétie. Matinée prophétie. Matinée prophétie. Parole de bénédiction. Parole de bénédiction. Mot de bénédiction. Mot de bénédiction. Mot de bénédiction. Mot de bénédiction. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Déclare Seigneur Jésus. Ce matin. Tout démon. Qui serait parmi nous. Toutes prophéties. A déclaré sur nos vies ce matin. Ma va mena mola. Ne me seront pas accomplis. Yehovah, Éternel. Que le feu descende des cieux. Que le feu descende des cieux. Le fiao l'indicania. Et les consume ce matin. Le fiao l'indicania. Et les consume ce matin. Nous soyons la bataille. La puissance est dans ce temple. Bagbayo la bataille. Les démons dans ce temple. Indicania. Qui tireront ce matin. Betodorao. Que tes prières. Nyagbari nyayona gbare dokonti. Les prophéties que tu vas déclarer ma sur ta vie. Ma va ne te seront pas accomplies. Ma va ne porteront pas chair. Ils vont saisir tes prières. Et saisir tes paroles prophétiques. Le feu sur eux. Invoquera le feu. Invoquera le feu. Invoquera le feu. Sorcellerie. Sorcellerie. Sorcier. Démon de clopes. Démon de clopes. Démon de clopes. Qui avale les prières. Qui avale les prières. Le feu sur eux. Invoque le feu sur eux. Le feu sur eux. Le feu sur eux. Le feu sur eux. Bambara baba. Brokatala. Shara baba. Prondala. Ala bendikaya. Ce matin. Yehowabe. L'Éternel a dit. Enyayone gbonayela. Ce que tu vas lui dire. Yeseo. Il les a écoutés. Yeseo. Il les a écoutés. Yeseo. Il t'a écouté. Don Diava. La solution est là. Don Diava. La solution est là. Don Diava. La réponse 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 est là. Bakbakoko. Saint-Esprit, Sophie Fila, manifeste-toi. Trois noirs bata. Change ce. Trois noirs bata. Changement propre. 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 Trois noirs bata. Changement propre.
je m'apprends maintenant. Cet esprit, le trou noir, il change la mère dans la vie de quelqu'un. Le trou noir, il change la mère dans la vie de quelqu'un. Vivitio le temps, les ténèbres s'en vont. Vivitio le temps, les ténèbres s'en vont. Vivitio le temps, les ténèbres s'en vont. Quelqu'un il va, la lumière vient. Quelqu'un il va, la lumière apparaît. Quelqu'un il va, la lumière apparaît. Y aura le va, la bénédiction apparaît. Y aura le va, la bénédiction. Y aura le va, la bénédiction. La bénédiction le va, la bonne santé. La bénédiction le va, la bonne santé. La bénédiction le va, la bonne santé. Kambara baba, okababa baba, baba 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 baba. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu es éternel, celui qui délivre. Personne n'est comme toi. Fais descendre ta puissance. Fais descendre ta puissance et sauve-nous. Tu es le Tout-Puissant. Oui, viens nous aider.
Déclare Seigneur Jésus. L'ouvre des siades toutes âmes. Et si le mien domelendi kanya parmi nous ce matin. Yé le babla mais le fouto basarame. Dans un lien et dans l'assemblée des ennemis. Saint-Esprit Ina tu kaol indikanya va les délier ce matin. Ina de kaol indikanya va les libérer ce matin. Betododa la prière et kaol tu que les liens soient défaits. Louva de siade toute âme et il est kamel indikanya dans un lien ce matin. Le asoba sarame dans l'assemblée des sorcières. Baba kodeme dans une termitière et toko kodeme sur une montagne. Dans un ruisseau. C'est ce matin même. Que les liens soient rompus. Que les liens soient coupés. Que les liens soient défaits. Priez, peuple de Dieu. Priez. Bouge et prie. Prie avec persévérance. En quel lien es-tu? Les serpents t'ont-ils lié? Mami et blawa. Les sirènes t'ont-ils lié? Fosoude et blawa. Une idole t'a-t-il lié? Azewe blawa. Les sorciers t'ont-ils lié? Et kao de tout. Les liens soient défaits. Et kao de tout. Les liens soient défaits. Dans le babla me fifila. Sors des liens maintenant. Dans le babla me fifila. Sors des liens maintenant. Bakbaka kone Dieu. Que le Saint-Esprit te cherche. Bakbaka kone Dieu. Que le Saint-Esprit te cherche. Bakbaka kone Dieu. Que le Saint-Esprit te cherche. Là où ton lien est déposé. Là où ils ont lié ta vie déposée. Ils ont lié ton utérus déposé. Ils ont lié ton commerce déposé. Là où ils ont lié ta marchandise déposée. Ils ont lié ton entreprise déposée. Ils ont lié ton entreprise déposée. Saint-Esprit. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Que les liens soient défaits. Que les liens soient rompus. Que les liens soient défaits. Que les liens soient défaits. Ils ont lié ta bonne santé. Ils ont lié ta bonne santé. Ils ont lié ta vie. Et tu es devenu malade. Tout ce que tu entreprends, c'est rien que la dette. Tu ne peux que te rabaisser. C'est ce matin. Le Saint-Esprit délie. Le Saint-Esprit délie. Le Saint-Esprit délie. La puissance de Dieu délie. Que ta vie sorte des liens. Que ta vie sorte des liens. Que ta vie sorte des liens. Reçois ta bénédiction. 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 Kambara baba. Roki dia baba ya. Surya nana. Mando kobra tabala ya baba. Mie donc berale Yesu ben comme. Au nom de Jésus nous avons prié. Mie donc berale Yesu ben comme. Au nom de Jésus nous avons prié. Mie donc berale donele okatata. Nous allons prier par rapport aux maladies. Brave apeto Yesu. Déclare Seigneur Jésus. Amare ikele donle. Quelqu'un qui est malade. Le mia domelendi kanya. Parmi nous ce matin. Yehovah, Éternel, Didi wo nous seul indikanya. Fais descendre ta puissance ce matin. Nena yoda. Et guéris. Nena yoda. Et guéris. Nena yoda. Et guéris. Togbeda. Prie maintenant. Da yaya berusé. La puissance de guérison. Ne didi va. Qu'elle descende maintenant. Ne didi va. Qu'elle descende. Ne didi va. Qu'elle descende. Ne va pas toi gomme. Qu'elle vienne dans le temple. Ne va yoda l'indikanya. Qu'elle guérisse ce matin. Et dans manyata nao. Maladie bizarre. Fipo de bedo. Maladie de malédiction. Et chodwa me bedo. Maladie par envoûtement. Maladie de honte. Attaque maladie d'attaque. Un nouveau maladie de péché. Donc Berandikaya. Prie ce matin. Que la maladie s'arrête. Renvoie la maladie. Renvoie ta maladie. Renvoie-la. Renvoie-la de ta vie. De la vie de ton enfant. De la vie de ton partenaire. De votre foyer conjugal. Renvoie la maladie. Renvoie la maladie. Renvoie la maladie. Renvoie la maladie. Ramba la baba.
Saint-Esprit. Guéris ce matin. Guéris ce matin. Guéris ce matin. Et dans ma nyatana. Les maladies bizarres. Et vous m'aimez dans les maladies de sang. Et vous camerez dans les maladies de veine. Et vous tombez dans les maladies dans les os. Et la oua m'aimez dans les maladies dans la chair. Quel pli bagage. Je leur plie bagage. Je leur plie bagage. Quel pli bagage. Quel pli bagage. Quel pli bagage. La paralysie. Quel pli bagage. Janiglo. Épilepsie. Quel pli bagage. C'est ce matin. Il guérit. Il délivre. Elle est gardé. Il est libéré. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. Reçois ta bénédiction. Elle est d'oya. Il guérit. Elle est d'oya. Il guérit. Les voumes. Dans ton sang. Elle est d'oya. Il est guéri. Les tagomes. Dans ton crâne. Elle est d'oya. Il est guéri. Les onkouvichi. Sur tes yeux. Elle est d'oya. Il est guéri. Vifila. Maintenant. Fadayaya. Reçois ta guérison. Fadayaya. Reçois ta guérison. Fadayaya. Reçois ta guérison. Fadayaya. Reçois ta guérison. Batakwe. Saint-Esprit. Maintenant, Vifila. Je t'envoie tout de suite. Inaya Dangoutuma. Va guérir ce temps. Inaya Dangoutuma. Va guérir cette femme. Kajavima. Guéris ce jeune homme. Guéris cette jeune fille. Sori andala baba. Ronda brada baba. Le Yesu benkom. Au nom de Jésus. Le Yesu benkom. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Tu es guéri ce matin. Jésus-Christ te guérit ce matin. Tout fardeau que tu portes, avec lesquels tu es venu dans ce camp, les fardeaux sont enlevés, ôtés maintenant. Je dis, ils sont ôtés maintenant. Le Yesu benkom. Dans le nom de Jésus. Vadini wanusa. Fais descendre ta puissance. Et viens nous au secours. Jésus. Ah ouais. Parce que tu es le Tout-Puissant. Vadini wanusa. Ah!
C'est cette matinée. Bien aimé, si tu dors en ce moment, tu te feras du mal. Connaître-toi à ces paroles prophétiques ce matin. La puissance avec laquelle l'Éternel a parlé ce jour. Et la puissance instantanément a changé la situation. La puissance est parmi nous ce matin. Et elle se manifeste dans ce temple. Afin que ce matin, les prophéties que tu as déclarées sur ta propre vie, le Saint-Esprit va les confirmer. Le Saint-Esprit va les confirmer. Le Saint-Esprit va les confirmer. Alors maintenant, j'envoie vers toi la puissance de Dieu. J'envoie vers toi l'Esprit de Dieu. Tu es parmi les gens. La prophétie de Dieu sur toi, avant que tu ne viennes en ce monde, la prophétie de se porter cher de plus. La prophétie devait porter cher de plus. Il y a une puissance qui la défie, qui défie ta prophétie. Alors, un démon défie la prophétie de sa prophétie. Alors ce matin, Dieu le Saint-Esprit se manifeste dans le temple. Il se manifeste dans le temple. Tout est puissant. Il est qui défie la prophétie. Si que Dieu est déclaré sur ta vie. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Elle dit nous seya. Il cherche cette puissance. Elle dit nous seya. Il cherche cette puissance. Elle dit bagboya. Il cherche ce démon. Hey fifi là. Maintenant. Et dans bagbo. Démon de serpent. Et dans bagbo. Démon de serpent. Asek bagbo. Démon de sorcellerie. Fifi tu vas gousser. La puissance des ténèbres. Oh oui, il est doit dit ça. Qui défie. Ble ma ou vide. Un enfant de Dieu. Ben yagboli le va te gousi. C'est prophétie sur ta vie. Hey fifi là. Maintenant. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il te combat. Il te rencontre. La puissance de Dieu. Tu t'es levé contre cette femme. Tu t'es levé contre ce homme. Contre ce jeune homme, tu t'es levé. Contre cette jeune fille, tu t'es levé. Contre cet enfant, tu t'es levé. Contre ce gars, tu t'es levé. Contre ce serviteur de Dieu, tu t'es levé. Ce que Dieu a écrit sur lui, ce que Dieu a voulu qu'il devienne dans ce monde. Ben ma femme, ouais. Que cela ne s'accomplira et jamais. Et tu as va. Tu es vaincu. 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 Fifi Jean. Maintenant. Bagba Kokoi. Saint-Esprit. Elle est Dieu. Il te sauve. Elle est Dieu. Il le sauve. Elle est Dieu. Il te 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 sauve. Fifi Jean. Maintenant. Nyagbodi nyao. Les paroles prophétiques. Nyagbodi nyao. Les paroles prophétiques. Kuda gbewonti. Sur ta vie. Wo le vame. S'accomplit. 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 Ouais. Reçois-les. Ouais. Reçois-les. C'est à toi. Taoye. C'est à toi. Taoye. C'est à toi. Bagba obé. Les démons ont dit. On m'a dégbédé. Tu ne vas pas te marier. Ame vodi obé. Les méchants ont dit. On m'a dégbédé. Tu ne vas pas te marier. Vandi kaya. Mais ce matin. Nyagwaria le gwabe. La prophétie dit. Ade. Tu vas te marier. 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 Aha. Oui. Ha mariage bawa. Reçois ton habit de. Ha mariage bawa. Reçois ton habit de. Ha mariage be kafia. Reçois ton mariage. Ouais fifi je. Reçois ta bague de mariage. Reçois là. Ouais, c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi. Ouais. Reçois-les. 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 Oh ya. Toi. Ameyaira. Personne bénie.
Personne bénie es-tu parmi les enfants de ta mère parmi les enfants à ton père. Tu es riche. Personne riche tu es. Et par toi plusieurs seront bénis. Mais une puissance est défiée. Ta bénédiction. Que jamais elle ne va s'accomplir. Et à placer sur ta vie la misère, la souffrance sur ta vie. Tu as appris ce métier en main. Aujourd'hui dans ce temps. Elle est de Thomas. Tu m'écoutes. Rien que la dette. Ce midi, il va sortir de leur misère, de leur honte. Cherchez-les-moi. Tu es homme. Tu es dans ce temple. Le projet de Dieu sur toi. C'est un bon projet. Dieu a pour toi. Mais les membres de ta famille. La famille ou ta famille de naissance. Les méchants dans la famille. T'ont ciblé. Ils t'ont détruit complètement. Et ils disent s'ils ne te détruisent pas, s'ils ne détruisent pas ce jeune homme, il sera distingué. Il sera distingué pour secourir plusieurs, pour aider plusieurs. Ils sont en réunion contre toi. Ils ont détruit tes bénédictions. Et au fini, tu es frappé de maladie. Le manger est un problème. Rien ne prospère. Toutes les portes sont fermées. Alors tout de suite, j'envoie vers toi les Saint-Esprit. Qu'il te cherche. Toi, qui est homme béni, ainsi l'Éternel t'est béni. Personne béni de l'Éternel. Et quand tu viens dans ce monde, toi-même tu vas bâtir ta maison. Toi et tes enfants, vous y habiterez. Mais ils ont détruit ta vie. Actuellement, vous êtes dans le loyer. Tu te promènes de location en location. Tu quittes cette maison, tu vas dans l'autre maison. Parce que tu as des arriérés de loyer. On te chasse de maison en maison. J'envoie vers toi le Saint-Esprit. Qu'il te sauve. Saint-Esprit. Manifeste-toi. Parmi les gens qui sont détruits, les démons les ont détruits. Ils sont des misérables. Ils sont dans la honte. Si on ne leur donne pas, ils ne vont pas manger. Saint-Esprit, cherche-les-moi. Toute puissance qui règne sur ta vie. Ce qui fait que tu lui es devenu esclave. Ce midi, l'Éternel s'est apprêté pour changer des mauvaises prophéties dans ta vie. Tout de suite, Saint-Esprit, agis délivre-les. Agis maintenant.
Tukaona. Délivre-les-moi. Tukaona. Délivre-les-moi. Tukaona. Délivre-les-moi. Tukaona. Délivre-les-moi. Kambara baba. Honda kabraya. Suri andala babe. Honda kapaya. Tokole yotome. Sors du tombeau. Tokola dakame. Sors du cercueil. Oya kwa mekuku okoy. Toi, c'est avec les morts. Amekuku ya nepona. Avec les morts. Miano doje pakle miano. Tu causes avec les morts. Ano dunukwa mekuku. Tu manges avec les morts. Amekuku la noto. Les morts te charge des commissions. Mais toi, quoi, quoi, j'envoie vers toi le Saint-Esprit. De te libérer du tombeau. De te libérer du Saint-Esprit. De te libérer. 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 Saint-Esprit. Tukaona. Délivre-les-moi. Délivre-les de tombeau. Libère-les des tombeaux. Si quelqu'un est dans une bouteille. De la bouteille s'explose. Si quelqu'un est dans un calebasse. De la calebasse s'explose. Que l'Éternel te libère des lieux. De la dakame. Te libère des cercueils. De libère de la bouteille. De sors du tombeau. Kambara baba. Shabraya naba. Reçois ta bénédiction. Reçois tes droits et mérites. Reçois tes richesses. On te les donne. Jésus les donne. Jésus te les donne. Le Saint-Esprit te les donne. Reçois les mains. 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 Maintenant. On les donne et dit. On t'élève. On t'élève. Élévation prompte. Élevage béomé. Viens dans ta vie. 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 Kambara baba. O kambara baba. Ce sont les envieux qui te persécutent. Ce sont les envieux qui te persécutent. Et ils ont détruit ta vie. Ils ont détruit ta bénédiction. Tu ne leur as rien fait. Mais ils t'envient pour rien. Ils t'envient pour rien. Fifi, tiens. Tout de suite. Que le Saint-Esprit te libère de la main. Sors de la main des envieux. Sors de la main des envieux. Sors de leur main. Sors maintenant. Sors maintenant. Ce sont les membres de ta belle famille qui t'envient. Les membres de ta belle famille. Les membres de ta belle famille. Sors de leur main. Que le Saint-Esprit te libère. Que le Saint-Esprit te libère. Que le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Gloria Bayandalaba. Ce matin, le ciel a vaincu pour vous. Le ciel a vaincu pour vous. Le ciel a vaincu pour vous. Les paroles prophétiques que Dieu a déclarées sur les paroles prophétiques que toi-même tu as déclarées sur vous. Qu'elles s'accomplissent dans ta vie. Qu'elles s'accomplissent dans ta vie. Ainsi soit-il en ta vie. Après ton départ de ce camp, tu verras les signes. Tu vas rencontrer le miracle dans le nom de Jésus. Humblement, veuillez vous lever et placez vos mains là où vous avez mal. La puissance de Dieu guérit. Maintenant, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. La sinusite. Tu as une tumeur dans le cerveau. Mal de tête aiguë. Bouffée de chaleur dans ton crâne. Insomnie. Jésus vous en guérit. Amen. Et il dit amen. Jésus vous en guérit. Tu ne vois pas bien. Nous les Jésus comme. Recouvre la vue au nom de Jésus. Et c'est nous. Tu n'entends pas. C'est nous les Jésus comme. Recouvre l'ouïe au nom de Jésus. Mumuni. Muet. Parle pas les Jésus comme. Parle au nom de Jésus. Elle est dans Yom. Il guérit. Le Dieu me pourme. Au niveau de ta colonne. Le Wakota. Au niveau de ta poitrine. Akpare katutu. Emi plégi. Le Wahadame.
Au niveau de ton côte. Yesu yotoma onami. Jésus vous guérit de ces maladies. Yesu yotoma onami. Jésus vous guérit de ces maladies. Podome. Dans ton ventre. Oyotoma onami. Tu es guéri, vous en êtes guéri. Lame hoto. Bouffée de chaleur. Hadoyoyo. Reçois ta guérison. Ayiku ogble. Insuffisance rénale. Ola yena. On te donne de nouveaux reins. Ola dalia yena. On te donne de nouveaux reins. Ola dalia yena. On te donne de nouveaux reins. Asidwagi tonor. Menopause précoce. Vous n'êtes pas l'antiophile. Reçois tout de suite tes menstrues. Vous n'êtes pas l'antiophile. Tes menstrues te viennent tout de suite. Le Yesu ben tome. Au nom de Jésus. Fibrom ne bou. Que les fibromes disparaissent. Kiste ne bou. Que les kystes disparaissent. Myom ne bou. Que les myomes disparaissent. Hadoyaya le Yesu ben tome. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Hadoyaya le Yesu ben tome. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Chaka chaka le susume. La dépression mentale. Yesu ne yadama ona. Que Jésus t'en guérisse. Tu es paralysé, cloué au sol. Tu te lèves toi, lève-toi et marche. Que la vie intègre tes pieds. Que la vie intègre tes veines et nerfs. Lève ta béquille. Soulève ta canne. Lève-toi de ton fauteuil roulant. Jésus est en train de guérir. Jésus est en train de guérir. Jésus est en train de guérir. Le Yesu ben kame. Au nom de Jésus. Prostate. La prostatite. Cancer. Le cancer. Sida. Le sida. Hépatite. Les hépatites. Diabète. Le diabète. Gonocoxie. La gonocoxie. Chaude pisse. La chaude épice. Yes, yotoma onami. Jésus vous guérit de ces maladies. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Le Yesu ben kame. Au nom de Jésus. Coco. Hémorroïdes. Reçois ta guérison. Janikblo. Épilepsie. Reçois ta guérison. Lame kodjo. Bouffée de chaleur dans le corps. Reçois ta guérison. Et vous volez la maintenant. Tu souffres de l'anémie. Reçois de la guérison. Et tu voles au poumon. Tes synovies, il n'y a pas de synovie dans tes articulations. Reçois ta guérison. Tu as une tumeur à une partie de ton corps. Partout la tumeur est poussée. Jésus t'en guérit. Le Seigneur t'en guérit maintenant. Que la tumeur disparaisse. Que la tumeur disparaisse. Que la tumeur disparaisse. Au nom de Jésus. Infection. Non, qui ne guérit jamais. Reçois ta guérison. Tu souffres de l'hernie. Yes, Jésus te guérit de cette maladie. Ce midi, de vos têtes à la plante de vos pieds, les maladies mentionnées et celles non mentionnées, que la terre s'ouvre et avale ces maladies. Ce victoire vous est donnée ce matin. Vous êtes libéré ce matin. Vous êtes libéré ce matin. Votre histoire est changée. Ce matin, sors de la honte, dans les tutumés, sors des insultes, dans les cocomés, sors des moqueries, que la gloire vienne sur toi, au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La stagnation, les problèmes agro-commerciaux, la récession, Jésus vous donne victoire ce matin. Dans le nom de Jésus. Ben, une fois encore, je prie. Je te confie le monde entier. Je me souviens de l'Afrique. Je n'oublie pas le Togo. Les chefs d'État entre tes mains. Les ministres entre tes mains. Les sénateurs entre tes mains. Les députés, les chefs. Les préfets, les chefs cantons et les chefs traditionnels. Je me souviens des ambassadeurs, des gouverneurs, diplomatico, des diplomates. Éternels, je te les confie. Que ta main vienne sur eux. Chinao, papa. Donne-leur victoire, Père. Bira, papa. Je prie, Père. Incendie d'une entreprise. Avion au crash. Le crash des navires. Batole au crash. Le naufrage des navires. Des navires. En ton nom, Jésus.
Papa, me do gbeda selka. Père, je prie maintenant. Mais somme on ba me gbeda si. Je te confie l'homme de Dieu. Si amine na bla lichini. Au moins le arme le. Dans l'ifune na black pani. Renouvelle lui la force. Yo, aneva noté we trombe. Lorsqu'il vient le soi éternel. Te onti kokwe manya glode gopia me. Manifeste une abondante gloire. Le Yesu ben comme. Au nom de Jésus. Nyeme ngombe be sofo kacha. Je n'oublie pas tous ces pasteurs. Nyeme ngombe yebe missionnaire, yebe towo la o. Ces missionnaires, ces ouvriers. Yo anto di kore wa son ple o vi o chi. À partir de jusqu'à leur enfant. Après ton naji doudou. Seigneur, donne leur la victoire. Comité, vous je me souviens des différents comités du camp. Donne leur victoire, Père. Je n'oublie pas ceux qui sont présents dans ce camp. Les fardeaux qu'ils portent, que les fardeaux soient ôtés. Spécialement les malades mentaux, qu'ils reprennent leur sang, qu'ils reprennent leur lucidité, que leur personnalité revienne au nom de Jésus. Ceux qui sont connectés à nous ce midi et qui sont dans le direct, que le miracle est lui dans leur vie, que leur fardeau lourd soit ôté, que les problèmes de chômage, foyers conjugaux, les problèmes de papillonnité, de procréation, les persécutions démoniaques, l'Éternel donne leur victoire. Les soldats en mission veillent sur eux. Les soldats qui assurent notre sécurité ici veillent sur eux, Père. Bien sûr, Père. Le complexe collège Jésus la solution. Les enseignants et les élèves. Bien sûr, donne leur victoire. De la maternelle jusqu'à l'université. Donne victoire à chaque homme. Papa, Père, je te dis merci. Et je te donne toute gloire. Car tu as précisé cette fille. Tu t'es manifesté. Tu as ôté les fardeaux lourds. Tu as consolé plusieurs. Tu as donné du courage à plusieurs. Tu as changé l'histoire de plusieurs. Merci à toi. Merci à toi. Yesu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, mais Yesu be apuna. Si l'acclamation est destinée à Jésus, fais-le plus fort. Victoire t'est donnée ce midi. Jésus a vaincu pour toi ce midi. Amen. Toutes les prophéties que vous avez déclarées sur vos propres vies, sur la vie de vos femmes, sur la vie de vos maris, de vos enfants, elles sont venues à l'accomplissement ce matin. Dis-moi Amen. Comme nous le savons, tous les vendredis, au camp de prière Jésus la solution, nous procédons à la convocation. Alors, apprêtons-nous pour cela. Alors, qu'appelons-nous la convocation? Tu vas prendre une somme inspirée en toi. Et tu vas prier sur la somme et tu diras, je convoque mes ennemis à Jésus. Quelqu'un qui te lance un défi. Physiquement. Ou as-tu rêvé et dans le rêve la personne te défie? Alors un bien qui devient votre héritage que quelqu'un veut t'arracher. Tu diras que tu les convoques au Seigneur. Alors lorsque tu vas prendre la somme inspirée, humblement, tu te mets debout. Et tu vas prier. Tu diras, je convoque mes ennemis à Jésus. Prie maintenant sur le, ce que Papa tu as dit. Père, au nom de Jésus ce matin, voici ton peuple devant toi. Tous les ennemis qui les persécutent. Le peuple te les convoque. Toi dont le jugement est impartial. Rends justice à ton peuple ce matin. Une fois encore, je te convoque les ennemis de ce camp. Tous les méchants qui se lèvent contre ce camp. Que ce camp deviendra ruine.
Mais ça m'a ouna au papa. Je te les convoque, père. Mais ça m'a ouba mais avec foutu ouna. Je te convoque les ennemis de l'homme de Dieu. Yébé sauf ou yébé missionnaire yébé dans là où mais ça m'a avec foutu ouna. Je te convoque les ennemis de ces pasteurs missionnaires ouvriers. Maou trouve en nous l'endoya. Dieu juge les ce matin. Maou doko jokbe l'endoya. Juge les ce midi. Nana toke que ce sene yodi l'endoya. Et qu'une forte punition aille sur eux. Le Yesu fait comme. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Et de coucou. Asi que me sama sama lenawa. La main dans laquelle tu as la sonde de convocation. Kokwe doji. Lève ta cette main là. Blambena. Et déclare. Sama ni futo katana Yesu. Blessé sede. Très fort, je convoque mes ennemis en Jésus. Dato velia que blessé sede. Pour la seconde fois, déclare très fort, je convoque mes ennemis en Jésus. Mais sama ni futo katana Yesu. Je te convoque tous mes ennemis, Jésus. Amen. Amen. Alors lorsque les chants tu es en train de conduire, alors tu viendras mettre dans le tronc ta somme de convocation. Someone now.